Yeah, as I am. Yeah, El Comodiano. Yes, Kuchi Kuchi Dance. Yo, Kuchi Kuchi Dance. You are the only one. In my life I found. Alors salut chers abonnés, je vous retrouve aujourd'hui pour la saisie des opérations Hortas, car vous savez que j'avais réalisé une vidéo sur la création d'un fichier comptable, ensuite le paramétrage du fichier comptable et la saisie analytique ou la ventilation analytique. Mais aujourd'hui je vais vous montrer la saisie des opérations imposables, les opérations qui sont assujetties à la TVA. Alors je ne vais pas vous donner un cours, mais je vais juste vous rappeler que la TVA, c'est un impôt indirect, transparent et neutre qui est prélevé sur le dos des derniers consommateurs. Alors, vous devez suivre régulièrement, mensuellement, la TVA, faire sa déclaration pour savoir ce que vous devez payer à l'État comme taxe sur les achats et les ventes. Car, d'après la Direction nationale des impôts en Guinée, la déclaration de la TVA doit se faire à chaque fin de mois, elle est mensuelle. Et le paiement doit se faire plus tard, le 15 du mois prochain. Alors pour cela, pour faire une bonne déclaration, il faut faire une bonne suivi de la TVA, c'est-à-dire de la taxe sur les achats et les ventes. À travers un exemple illustratif, je vais vous montrer comment analyser une opération hors taxe et comment la saisir. Bien. Donc, j'ai un exemple ici. Voilà. Donc, déjà à travers cette étiquette-là, achat de marchandises à monsieur. Le 15 de ce mois N, achat de marchandises à monsieur Koita, 15 millions hors taxe. Règlement effectué en espèces. Déjà, cette opération, elle est analysée. Voici la constellation de la dette. Voilà, envers le fournisseur. Et le règlement aussi est là. Donc, maintenant, on va passer à la saisie de cette opération de TVA. Alors déjà c'est le 15 de ce mois, c'est-à-dire c'est le mois de février, le journal ASA. Donc je vais lancer l'application. Donc voilà, bien, le 15 de ce mois, journal ASA du mois de février. Voilà. Donc la date c'est le 15. Donc, je commence par le premier compte. Voilà, le premier compte, hein, c'est le 601 achat de marchandises que je viens de saisir. Bien. Donc, le libellé, vous pouvez saisir le numéro de la facture. Voilà. Donc, ce que moi, juste, c'est une façon de vous montrer comment saisir. Mais le libellé, vous pouvez aussi saisir le numéro de la facture. Mais en même temps, l'intitulé du compte, ce n'est pas grave aussi. Mais il est mieux de saisir le numéro de la facture pour plus de précision. Alors, le compte, elle est débité de combien? De 15 millions. Voilà. Le compte est débité de 15 millions. Bien. Ensuite, après, vous avez par la suite la TVA récupérable sur les achats, le 44-52. Voilà, j'ai saisi ça aussi. Bien. Automatiquement, regardez, il y a le montant de la TVA qui a été calculé par la machine. L'importance de la saisie des opérations hors taxe avec l'ordinateur ou avec le système ou avec ses logiciels, c'est le logiciel qui calcule automatiquement la TVA. Mais pour que le logiciel calcule la TVA, il faudra que vous faites un petit paramétrage. Il faudra que vous rattachiez les comptes de charges au TVA déductible. Ensuite, vous rattachiez les comptes de produits au TVA à collecter ou à recouvrir. Alors, quand vous faites ça, compte tenu du temps, je ne vais pas vous montrer ça, mais voilà, si vous avez besoin de ça, vous pouvez m'appeler dans un temps bien défini, comme ça je pouvais vous expliquer en même temps, vous montrer tout cela. Donc, regardez, automatiquement, la machine m'envoie le montant de la TVA. Bon, d'après mon calcul, je constate que le montant que j'ai trouvé manuellement, c'est exact, donc je valide. Ensuite, la contrepartie, le compte tierce. Le fournisseur Koita, voilà, c'est le fournisseur Koita.
Est-ce que j'ai le fournisseur coétant? Non, j'ai Total qui paye. Donc, je vais créer le fournisseur coétant à travers la codification alphanumérique. Voilà. Coétant. Bien. Voilà, automatiquement le fournisseur coûte est crédité de montant du montant TTC. Voilà, effectivement. Donc ça, je viens de saisir cette opération. Dans ça. Alors le règlement, c'est en espèces dans le journal caisse toujours du mois en cours. Alors je ferme ce journal-là. Le journal caisse du mois de février. Défile un peu, voilà. Journal caisse du mois de février, là. Voilà. La date de règlement c'est toujours le 15. Alors le premier compte, vous avez le fournisseur Koita, 401 Koita. Donc vous commencez par ça, Koita il est là. Voilà. Le fournisseur Koita cette fois-ci il est débité, hein, voilà. Il est débité du montant TTC, 17 700 000. 17 700 000. Voilà. Bien. Ça, c'est le règlement. Et par la suite, vous avez aussi une opération de vente de marchandises à la société Guinée Plus, 40 millions hors taxes par SEC EcoBank, le 22e mois, bien sûr. Alors, cette opération de vente qui est assujettie à la TVA aussi est analysée. Donc, voici la constellation de la créance sur le client Guinée Plus, sur notre client Guinée Plus, et voici le règlement effectué par le client Guinée Plus par SEC EcoBank. Le règlement est effectué par SEC bancaire. Alors, on va d'abord saisir, on va constater la créance sur le client Guinée Plus et passer le règlement de cette opération-là. D'abord, c'est le journal vente du mois de février. Donc, voilà, journal vente du mois de février. Le journal vente, est-ce qu'elle est là? Oui, le journal vente est créé. Et quel mois? Du mois de février. Ok, c'est cela. La date, c'est le 20. Donc, c'est la date de l'opération. Le premier compte, voilà, vous avez le 701. Je vais saisir ça. Un compte général. Le libellé, je rappelle que vous pouvez saisir le numéro de la facture. Voilà, le libellé, c'est une façon. Vous pouvez saisir le numéro de la pièce. Justificatif de l'opération. Le numéro de la facture elle est meilleure d'ailleurs pour le libellé. Voilà, donc vous ne saisissez pas le libellé, c'est pas grave aussi, mais il est bon de saisir le numéro de la facture comme libellé. Bien, mais moi je peux remplacer par l'intitulé, voilà, parce que je vais comprendre et je comprendrai comme ça. Donc, vente de marchandises, ce compte-là est crédité de 40 millions, donc je saisis au crédit 40 millions, j'ai validé par entrée. Après, vous avez un deuxième compte, la TVA facturée sur les ventes. La TVA facturée sur les ventes, voilà. Bien, automatiquement, vous avez vu, hein, voilà, la TVA 7 200 000, c'est venu. La machine a déjà calculé. Ensuite, vous avez le client Guinée Plus. Est-ce que le client Guinée Plus est là? Non. Vous avez Paris à Château qui est à Alain, la Patrice. Guinée Plus n'est pas là. Donc, je vais créer. Le client Guinée. Non, c'est pas Barry. Attention, c'est pas le client Barry. Il faut créer le compte de ce client Guinée Plus. Donc, je clique sur nouveau. Bien. Donc, il y a un qui n'est plus. Hein. Voilà. Bien. Donc, le compte du client Guinée Plus est créé. Bien, très bien. Alors,
J'ai saisi la créance de cette vente sur le client Guinée Plus. Alors, le règlement a été effectué par SEC EcoBank. Je vais passer l'écriture du règlement dans le journal concerné, c'est-à-dire dans le journal de EcoBank. Alors, toujours c'est le mois de février, mais journal EcoBank. Est-ce que le journal de EcoBank est créé? Oui, le journal EcoBank est là. De quel mois? Du mois de février. La date de règlement correspond à la date d'opération, donc c'est le 20. Donc. Voilà. Règlement effectué par le client Guinée Plus. Est-ce que le client Guinée Plus est créé? Oui. Guinée Plus, on fait là. Bien. Donc cette fois-ci, comme c'est le règlement, le client a été crédité du montant de TTC 47 200 000. Eh bien, voilà. Donc, regardez, après la saisie des opérations d'achat assujetties à la TVA et les opérations de vente assujetties à la TVA, on va faire la déclaration manuelle de la TVA, donc de façon très simple, vous venez sur traitement pour vérifier le montant de TVA à récupérer et le montant de TVA recouvré. Et maintenant, à travers un calcul extra-comptable, vous allez déterminer la TVA due que vous devez verser ou payer à l'État. Donc, d'abord, la TVA à récupérer sur les achats, regardez, c'est 2 millions, le solde de ce compte-là est débité de 2 700 000. Voilà. Et la TVA recouvrée sur les clients, voilà, 7 200 000. Donc, d'après un calcul extra-comptable de la TVA ou de la déclaration de la TVA, c'est ce que vous allez trouver. Voilà. Est-ce que la déclaration est là? Voilà, voici. La déclaration de la TVA, le 28, et la déclaration, je vous ai dit, d'après le règlement intérieur de la Direction nationale des impôts, le règlement de la Direction nationale des impôts, en ce qui concerne les opérations assujetties aux achats et ventes, la TVA doit être déclarée à la fin de chaque mois. Donc, regardez la déclaration de la TVA à recouvrer sur le client sur 7 200 000. La TVA à récupérer, c'est 2 700 000. Mais comme on a dit que la TVA, c'est un impôt indirect, transparent et neutre, ces conditions-là n'ont pas été respectées. Donc, je vois que il n'y a pas de neutralité. Donc, ça veut dire qu'on devait récupérer 2 700 000, mais nous, on a collecté 7 200 000 au lieu de 2 700 000. Donc, ce qu'on doit reverser maintenant à l'État, c'est 4 500 000. Vous voyez le compte 4441, la TVA due qu'on doit payer à l'État, 4 500 000. Donc, cette déclaration-là, d'abord, la dette, voilà, de la TVA due envers l'État, on va passer cette écriture de constatation aussi dans le journal Opérations diverses du mois de février. Car c'est la déclaration de la TVA du mois de février que je suis en train de faire. Donc, je lance, je viens. Voilà. Donc, journal du mois de février. Est-ce que le journal opérations diverses existe? Bien sûr, oui. Voilà. Donc, la déclaration, c'est le 28. Voilà. Le premier compte, c'est voilà, la TVA sur vente. 44 31. Elle est débitée ou créditée? Elle est débitée de 7 200 000. Donc je débite 7 200 000. Voilà. Bien. Ensuite, après, vous avez la TVA à récupérer sur les achats, 2 700 000. Crédit 2 700 000, hein, voilà, 2 700 000, et la TVA à payer, regardez, c'est 4 500 000, 44 41. Donc j'ai saisi ce compte là aussi,
attention, c'est un compte général. Bien, donc A, elle n'existe pas depuis la créer. Donc ça c'est TVA 2. Voilà. Et ta TVA 2. Le montant aussi. Le compte est que de 4 500 000, donc j'ai saisi le crédit de 4 500 000. Voilà, je valide ça aussi. Bien, donc j'ai constaté la dette de la TVA due. Alors, le paiement de cette TVA doit se faire plus tard le 15 du mois prochain. Nous sommes au mois de février, donc en principe, voilà. Donc, regardez l'écriture de paiement ou de règlement, aussi paiement de la TVA due, le 15 troisième mois N. Voilà, donc dans quel journal c'est le bon, le paiement a été effectué par cette bancaire, ce qui est normal. Alors je vais passer cette écriture de règlement dans le journal EcoBank du mois concerné, du mois de mars. Voilà, je ferme ce journal d'abord, le journal du mois de mars. Est-ce que le journal du mois de mars pour EcoBank, voilà, elle est là. Non, ça se met. Ok, pas de problème. Donc le 15, parce que c'est le 15, donc voilà, le premier compte, oui, c'est la TVA due. Donc la TVA due, le compte est débité de 4 500 000, c'est le montant à payer. Bien, voilà. Alors c'est ce qu'il fallait faire en ce qui concerne la saisie des opérations hors taxes. Bien, ça a été un réel plaisir pour moi, comme d'habitude, de partager ce court vidéo avec vous. Mais je demande à tous ceux qui regardent mes courts vidéos sur YouTube de s'abonner, car je ne partage pas tout sur Facebook pour vous informer, mais je peux te laisser directement certains courts vidéos sur YouTube, sur mon compte YouTube. Ben voilà. Donc restez en ligne et à bientôt pour d'autres réalisations vidéo. Merci. No one can love you more than me, you know.